Voyez-vous différemment ? Dans les conduites 4, 17 et 33. Montez en pression dans les conduites 4, 17 et 33. Montez en pression dans les conduites 4. Protocole accepté. Brèche détectée. Ok, papa écoute. Tu dis bonjour ? Bonjour. Et ? Montre-lui comme tu es grande. Très grande. Bravo. Et tu chantes ? Un siffon. Tu chantes bien. Et le tu me manques ? Tu me manques. Et le je t'aime ? Je t'aime. Oui, c'est bien. Tu peux dire j'ai hâte de te voir ? J'ai hâte de te voir. Et au revoir. Ici UNSC Pélican Echo 216. Vous me recevez ? Ici UNSC ! On dirait que les accumulateurs ont grillé. L'armure est désactivée. Mode de survie enclenché. Je vais essayer de le surpasser. Ok. Si vous m'entendez là-dedans, j'espère que vous êtes prêts. Ne mourrez pas. Pitié. Ne mourrez pas! Chez nous. Content de vous retrouver, Major. J'ai rerouté le peu d'énergie que j'avais dans votre armure. J'ai vu un souci dans la matrice de calibration. Enfin, je crois que ça vient de cette matrice. Ok, suivez la lumière. Essayons en haut.
Essayons en bas. Ça a l'air bon. On essaie à droite. Reste plus que la gauche. Votre flux vidéo et vos fonctions motrices semblent opérationnelles. Mais on dirait qu'il y a un souci de cerveau moteur dans vos mains. Bougez-les. Pas de panique. Vous avez été longtemps dans le coltard. Je crois qu'il y a un outil pour réaliser un diagnostic de votre armure. Wow. Tout doux, Major. Vous n'êtes pas... Votre rapport. Mon rapport? Hein? Il faut que je vous montre un truc, Major. On a perdu. On a tout perdu. Il reste plus rien ici. Je sais même pas où c'est ici. Non. Pas encore eux. Pas cette fois. Il faut partir. Il me faut une arme. Une arme? J'ai rien d'autre. Ça suffira. Quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Improviser. Fermez la porte. C'est bloqué. Il faut le pirater. Ok. Et vous savez faire ça? Non. Nouveau plan. On saborde le vaisseau.
Vous allez détruire ce vaisseau pendant qu'on sera à l'intérieur? Ok, cette fois c'est sûr. Je vais mourir ici. Localiser l'UNSC Infinity. UNSC Infinity. Classe, super transporteur. Équipage, 7150 hommes. Non trouvé. Scan du périmètre proche. Nombre de plaques UNSC détecté, 1986. Statut. Décédé. Le Major est en vie. Atriox nous avait pourtant annoncé sa mort. N'êtes-vous pas furieux? Non. En fait, je m'en réjouis d'avance. Et vos promesses de vengeance, de supériorité, de renouveau, il compromet tout cela! Est-ce que tu douterais de mes compétences et de la vision d'Atriox? Atriox est mort! C'est de sa faute si nous sommes ici. Les parias ne s'inclineront plus devant personne. Ni les Covenants, ni les Prophètes, ni elle. Cet anneau sera opérationnel. Pitié. Et tu auras ta revanche. Maître d'épée, suis le Sparta sans te faire prendre. Je veux absolument tout savoir à son sujet.
Connexion à l'armure demandée. Ok. Message crypté obtenu. Lire. Tentative de décryptage. Échec du décryptage. Localiser la source. Triangulation en cours. Triangulation en cours. C'est bon, on a terminé, Major ? Si on reste encore ici, ils vont revenir. Ils vont nous trouver et nous tuer. Qu'est-ce que vous cherchez ? Correspondance. Signal repéré. Itinéraire chargé. Y'a rien par là. Vous cherchez pas au bon endroit. Il faut qu'on rentre à la maison. Calcule l'itinéraire. Surpassement des commandes de vol manuel demandé. Ok. Pilote automatique activé. Attendez, quoi ? Vous êtes sérieux ? Pourquoi est-ce qu'on irait là-bas ? Les parias veulent nous anéantir. Jusqu'au dernier. Et alors ? Vous croyez qu'on va les arrêter tout seul ? Je vous l'ai déjà dit. On a tout perdu. On a besoin d'aide, pas de héros. C'est faux. C'est notre devoir. Nous devons protéger l'humanité à n'importe quel prix. Je peux pas être le seul. Entrez dans l'atmosphère. Pilotage automatique désactivé. Dans on 5, a une nouvelle mission, soldat. 4. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a en bas ? 3, une arme. 2, encore une arme ? 3. Vous en avez pas déjà assez ? C'est quoi le problème ? C'est la dernière fois que je sauve un Spartan. C'est une très mauvaise idée. Ils vont nous tomber dessus. Tous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est Cortana ? L'IA rebelle nommée Cortana n'existe plus. Elle a été supprimée. Comment ? Par toi ? Bien sûr que non. Vous vous êtes cogné la tête ou quoi ? Vous ne vous souvenez pas ? Mes instructions étaient entrer dans cette installation, imiter Cortana et la neutraliser pour qu'on la ramène. Les vôtres étaient de la ramener sur l'Infinity pour qu'on la supprime. Alors si ce n'était pas vous... Ok, donc... Il y a autre chose. Après le déploiement, mon programme de suppression était supposé s'exécuter. Je suis toujours là. Bien. Bien ? Mon programme a échoué, je ne suis pas supposée être là. Vous devez me supprimer. Non. Non ? J'ai été créée dans un seul but, et ce but est maintenant obsolète. Ma mission est terminée. Nous en avons une nouvelle. Les parias ont l'intention de déployer cet anneau. Nous devons tout faire pour les en empêcher. Avant toute chose, qu'est-ce qu'un paria ? Et puis, vous avez peut-être remarqué qu'une bonne partie de cette installation a été endommagée, ce qui rend tout ça impossible. Et enfin, pour déployer l'anneau, il leur faudrait un index d'activation. C'est Cortana qui avait l'index. J'en ai aussi quelques morceaux. Quelque chose a empêché ta suppression, et on doit découvrir pourquoi. Mais ce n'était pas ça, la mission. Les missions changent. Elles changent toujours. Vous êtes sûr ? Ça ne craint rien. Non, je crois pas. Oui. C'est bon. C'est une partie de moi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment, mais c'est bien moi. C'est la dernière partie de moi qui a été supprimée. Laissez-moi juste... Vous êtes ici parce qu'on vous a choisi. Nos ennemis sont plus intelligents et plus nombreux chaque jour. Ce que je vais vous montrer vous aidera à remporter cette guerre. Je me suis attelé à adapter la puissance stratégique d'une IA de bord pour un usage sur le terrain. Vous êtes prêts ? Oui, Dr. Halsey.
Contrairement au modèle précédent d'IA, elle résidera entre votre esprit et l'armure et communiquera directement avec votre interface neuronale. Voyez-la comme une nouvelle paire d'yeux qui améliorera vos réflexes et facilitera la reconnaissance. Ce n'est pas le pilote, mais un excellent moyen de prendre l'avantage. Comment dois-je l'appeler ? Demandez-lui. C'est elle qui s'est nommée. Bonjour, Major. Je suis Cortana. Ensemble, vous formez un nouvel espoir. Ensemble, vous êtes la clé de la survie de l'humanité. Elle fera tout ce qui est nécessaire pour assurer le succès de votre mission. Même si pour cela, elle doit se sacrifier. Ou vous sacrifier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'ai touché et... C'était réel. Ce ne sont que des données. Qui sont stockées là. Des paquets de codes récursifs. Mais ça, en revanche... C'est le système dont je me suis servi pour emprisonner Cortana. Il contient une copie de l'index d'activation, ou du moins, des fragments. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On en a besoin. Eh bien, d'après ce que vous m'avez dit jusque-là, la question serait plutôt... Est-ce que les parias en ont besoin ? Vas-y. Un module de bouclier amélioré. Voyons ce que je peux trouver sur elle. Accès en cours. Spartan Bonita Stone, spécialiste en reconnaissance. Ses fonctions vitales se sont arrêtées il y a presque un mois. Elle a été tuée avec une épée à énergie, mais différente, plus puissante. Un seul coup. Elle n'a rien vu venir. Ce n'est pas Forerunner. On reconnaît plutôt les parias. Tu peux le contrôler. Les yeux fermés. Enfin, pas fermés, mais... Oh ! C'est pas la peine. Il est déjà en train de descendre. Des ennemis. Mais... Et si c'était des alliés ? Ce n'en sont pas. Escarabs sont de damnés devant lui, mais il a omis de mentionner en combien de morceaux. Donnez-moi juste une seconde, je devrais parvenir à prendre le contrôle d'ici. Ainsi, Trémonius est tombé, vaincu par la puissance du Major. Mais ne vous leurrez pas, il n'était pas le meilleur des parias, il en était même loin. Je réalise maintenant que nous n'avons pas été présentés. Moi, bien sûr, je vous connais, Spartan. La légende, la crainte que vous inspirez est admirable. L'espoir que vous faites naître chez vos semblables est déplacé. Je veux que vous aussi sachiez mon nom. Connaissiez ma légende. Sinon, comment pourriez-vous m'implorer ? Je suis Escarom, chef de guerre des Parias. Ceci est mon monde désormais. Quant à vous, il vous reste peu de temps à y vivre. Voyons voir.
Les parias utilisent une variante du protocole du réseau de combat des Covenants. Plutôt simple à contourner. Et hop! J'ai supprimé cette position de leur système. On ne risque plus rien. Zeda dégagé. La terre ferme. Ah, c'est bien mignon tout ça, mais... dites-moi qu'on peut partir. Vous avez trouvé l'arme que vous cherchiez? On peut y aller? Salut! C'est quoi ça? Cortana? Mais elle... tout ça est de sa faute! Ce n'est pas Cortana. Dis-lui. Mais... c'est classifié. Permission accordée. J'ai été créée par le docteur Catherine Halsey pour imiter la sécurité de cette station et piéger Cortana pour l'effacer. Et j'ai réussi. Cortana n'est plus une menace. Et maintenant, elle va nous aider à arrêter les parias. Oh, mais bien sûr. Je suis d'accord avec vous. Moi-même, je n'avais jamais entendu parler des parias il y a une heure. Et je me rends bien compte que nos chances sont faibles. Oui! Oui, vous devriez l'écouter. Vous allez tous nous faire tuer. C'est vraiment fascinant. Vous luttez pour survivre. Alors que moi, j'ai été programmée pour mourir. Vraiment. Un suicidaire dans l'équipe, ça suffisait pas. Oh, j'essaie juste de comprendre ce que je suis censée. Attendez. Je capte un signal de détresse de l'UNSC. Ça vient d'où? La source est à 4 km d'ici. C'est de là que provient le signal de détresse. Voici notre position. C'était, il y a deux minutes encore, une base d'opération avancée paria. Je dis c'était parce que maintenant, c'est à nous. Major, de quoi elle parle? Maintenant, voici la bonne nouvelle. Il y a d'autres bases avancées de l'UNSC tombées entre les mains, enfin, les pattes des parias. C'est vrai, techniquement, ce sont des pattes. Chacune d'elles est associée à un territoire. Ici, c'est l'emplacement du signal de l'UNSC que j'ai détecté, et là, deux autres bases. Indique-la, on y va. On y va? Quoi? Là-bas? Pour arrêter Cortana, mais je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'elle a pu faire de si grave? Elle était notre cible. Oui, je comprends. Mais... est-ce que c'est classifié? Parce que je n'ai pas toutes les informations. Major, c'est de la folie. Je vois des parias. Il y en a partout. Vous m'entendez? Il y en a partout! Quelles infos vous a donné le docteur Halsey avant la mission? Halsey ne dit aux gens que ce qu'ils doivent savoir. Un pélican qui survole le territoire ennemi, personne va le remarquer. Super idée, monsieur Muscle. Je comprends toujours pas pourquoi vous deviez l'effacer. Je trouve que ça manque de logique. Devinez quoi? Ils l'ont remarqué. Ils l'ont tous remarqué. Et on a une structure paria droit devant. Armée. Très lourdement armée. Ça va devoir attendre, on dirait.
Jusqu'où on peut aller? Jusqu'où? On n'a pas d'armes et vous me demandez jusqu'où on peut aller? Posez-nous là. Là? Vous êtes sûr de votre coup? J'espère que ça ira parce que je peux pas tellement faire mieux. Ça suffira. Le protocole de verrouillage devrait être facile à inverser. Voyons ça. 3, 2, 1... Voilà. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Cet endroit est un centre de détention dirigé par notre ami élite de tout à l'heure, Jack Locke. Et il a la réputation d'être... vraiment vilain. Moi aussi. Un capteur de menace portatif. Il semble verrouiller et mettre en surbrillance toutes les cibles à portée. Ça peut être utile. Cette armure appartenait à un Spartan nommé Hudson Griffin. D'après les données de son capteur, il était vivant quand l'armure a été enlevée. De force. Ce n'est pas sûr, mais il est peut-être encore en vie. Bienvenue dans ma tour, Major. C'est ici que je vais te briser. C'est ici que tu vas me livrer tes secrets. Désactive-moi ça. C'est ce que je fais. Ok. Tenez-vous prêts, je vais le libérer. C'est vous. Vous êtes en vie. Major, les parias, j'ai essayé de les arrêter. J'ai voulu... Doucement. Tout va bien maintenant. Les parias, ils ont un lieu qui s'appelle le Conservatoire. C'est tout ce que je sais. Ils m'ont pris au nord d'ici, sur un site de fouille. Je n'étais pas de taille. Mais vous aussi. Arrêtez-les. C'est comme si c'était fait. Bien. Les autres, les Spartans. Est-ce que... Je les trouverai. Écho 216, à vous. Vous me recevez? Je répète, vous me recevez? Major? Major, votre détecteur de mouvement ne bouge pas. Allez, répondez! Major, je... Répondez! Je vous en prie! Vous avez trouvé la source du signal. Quoi que vous ayez trouvé, vous devez soit l'emmener, soit l'abandonner. Vous me recevez? Un site de fouille sur l'anneau? Ce conservatoire doit être une sorte d'installation Forerunner. Qu'est-ce que vous croyez qu'il cherche? Il est temps d'y aller. Normalement, c'est impossible. L'alliage Forerunner est quasiment indestructible. Avec quoi l'ont-ils... Major ! Donnez-moi une seconde. Il y a un problème. Je n'arrive pas à l'arrêter. Alors on le détruit. J'en étais sûre. Il y a deux régulateurs d'énergie en bas. Il nous suffit de découvrir manuellement le pylône de refroidissement de chacun d'eux pour déclencher une réaction en chaîne. Et par nous, j'entends vous. Et par déclencher, j'entends détruire. Ou exploser. Enfin, vous voyez l'idée. Spartan, pas si fort que je croyais. Très facilement ouvert. Tout dedans. Major? Je le vois.
Vous avez fait votre part à moi. Regardez ça. Il y a un problème? Bien sûr que non. Allons voir ce qu'il y a en bas. Un mur portatif, module couverture. Solide mais temporaire. Scan terminé. Il s'agit du Spartan Vedrana Makovic. Son armure est désactivée depuis 13 jours. La cause de la mort est... Quoi ? Une épée à énergie améliorée, comme le Spartan Stone. Ce n'est pas une coïncidence. Major, qui fait ça ? On va le découvrir. Ouvre-la. L'Ocule ! L'exil était absolu ! Comment est-elle revenue ? C'est impossible ! C'est inconcevable ! Je dois y retourner, savoir ce qui s'est passé. On devrait l'aider. Peut-être. Non, elle a raison. Je requiert votre assistance. Qui êtes-vous ? Quel est votre nom ? Je suis Desmond Dankmeyer, moniteur de cette installation. Et ceci est mon conservatoire. Mon conservatoire. Ce n'est pas normal. Je vais... Oh non ! Cortana, mais ma position est la même. Vous contrôlez les armes de cette installation, mais pas ses secrets. Ils doivent être protégés, surtout le complexe de confinement. Confinement ? Le parasite ? Pourquoi voudrais-je ? Vous savez aussi bien que moi qu'il y a des choses pires que le parasite sur cet anneau. Non, vous ne pouvez pas être au courant. Vous êtes enfin venu me chercher. Faites-vous cela, John ? Pourquoi ne comprenez-vous pas ? Il ne faut pas briser le sceau. Les condamnés ne doivent pas partir. Ce n'est pas négociable. Il n'y a pas d'alternative. Repensez-y. Les conséquences de votre requête... Retournez à votre conservatoire, Monitor. Je ne comprends pas. Qu'y a-t-il de pire que le parasite ? Rien de bon. Trouve-nous une sortie. Tout de suite. Un module de propulseur. Manœuvre d'évitement sur demande. Bon, voyons voir. Qui êtes-vous ? Scan terminé. Spartan Théodore Sorel, expert en armement, tué il y a 13 jours, comme Makovic. Par qui ? Des brutes. Plusieurs. Quelle que soit leur identité, ils sont compétents et bien entraînés. On a des comptes à régler. Montrez-vous. Je sais bien que vous m'avez suivi. Nous ne sommes pas des ennemis. Desmond Dankmeyer. Je voulais quelque chose qu'elle détenait. Je vous connais, dépositaire. Vous n'êtes pas le futur. Ça va, Major ? J'essaie de déverrouiller l'armure. Et c'est mieux que ça. Les mensonges des Forerunners ont trop duré. Je suis l'augure de la vérité. Nous trouverons les Éternels. Ils s'élèveront. Ça devient urgent. Je sais, je sais. Trois ? La reformation commence. Deux ? Un, c'est bon !
J'ai mis trop de temps. Vous auriez pu être tués. T'en fais pas pour ça. Tu nous as sauvés tous les deux. Le protocole n'est pas paria, on dirait. Il est plus résistant que je ne l'imaginais. Un problème ? Pas de problème. Intéressant. Cette structure a été activée à l'aide d'un protocole bien plus ancien que tout ce que j'ai pu voir. Elle sait qu'on est ici. Bien bonjour, bonjour. Oh, je suis Adjudant Résolution, le sous-moniteur de cette installation. Fidèle serviteur de Despondent Empire qui doit être souffrante, puisque j'ai été activé. L'auriez-vous croisé ? Si on veut. Vous voulez lui dire ? Me dire quoi ? Le moniteur est mort. Morte. Morte. Pour de bon. Mais ce n'est pas nous. En êtes-vous certain ? Je vous jure qu'on n'y est pour rien. Bien. 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 Oh, j'ai eu peur que vous ne soyez hostile. Comme vous le voyez, cette spire a été déployée avec succès. Par ici. Je suppose que vous souhaitez voir la plateforme d'observation. Ce n'est pas si terrible. La fonction de cette structure est simple. Reconstruire l'anneau. Enfin, pour être plus précise, créer les matériaux nécessaires pour le réparer. Ça n'arrivera pas. Pourquoi ? C'est un si bel endroit. Oh, les parias. Désolée, j'ai perdu le fil pendant un instant. Il y a tant à apprendre ici. Peu importe, tu vas l'arrêter. Une bonne fois pour toutes. Non, non, non ! Que faites-vous ? C'est tout à fait intolérable. Je vous croyais amico. J'ai de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. Combien ? Ok, commençons par les mauvaises. Un paquet. Je compte 9, non, 10 spires. Et ça augmente sans cesse. Active ? Non, du moins, pas encore. On dirait qu'elles attendent une séquence d'initialisation. Quelque chose inonde le réseau pour essayer de la lancer, mais rencontre une résistance. Pourquoi ? Le protocole qui a déclenché tout ça n'était pas tout à fait correct. Ça a marché, enfin, ça a lancé le processus, mais il y a pire. Je ne peux pas réellement l'arrêter. Mais je peux l'expulser du réseau. C'est ça, je peux trouver la source de l'attaque. Il suffirait que... Pas si vite. T'es sûr que c'est sans danger ? Mais voyons, c'est moi ! Je suis un programme d'infiltration conçu pour... Qui êtes-vous ? Oups, je crois qu'elle sait que je suis... Comment faites-vous ça ? Déconnecte-toi. Donnez-moi juste une seconde que je... Vite ! Ça y est ? Pourquoi vous ne me faites pas confiance ? C'était quoi, ça ? Ce n'était peut-être pas une bonne idée de se déconnecter. Il faut partir. Et maintenant ? Extraction immédiate, les coordonnées. Bon Dieu, c'était faux, pas vrai ? Vite ! J'arrive, j'arrive ! Non, c'est pas vrai ! De l'attaque. L'attaque ? De quoi elle parle, Major ? Est-ce que tout le monde essaie de vous tuer ? Bah, on dirait bien, oui. Oh, attendez. C'était de l'ironie. Il est drôle, lui. Je l'aime bien. Je suis déjà mort, c'est ça ? Ouais, ça doit être ça. C'est mon châtiment, pas vrai ?
Alerte. 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 Oui, c'est la mort. Alerte. 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 Non. Non, 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 non. Alerte. 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 C'est un cauchemar. Alerte. Alerte. On va devoir atterrir en urgence. Accrochez-vous, Major. Respirez. Non! Me dites pas quoi faire. Collez-vous vos ordres où je pense. On est... Est-ce que vous m'écoutez? Je compte trois canons anti-aériens. Trois quoi? Vous craignez rien ici. Oh! Je crains rien. Rien! Je risque ma peau depuis que je vous ai trouvé. C'est moi qui vous ai sauvé, ok? Vous dériviez tout seul et vous y seriez encore sans moi. Je croyais qu'on rentrait à la maison, moi. Il n'y aura plus de maison si on n'arrête pas les pariens. Vous arrêtez pas de dire ça. On est seul et sans matériel. Je sais que j'ai vu des condors là-bas. Je vais en trouver un avec un générateur spatio-temporel en état. Et quand vous aurez fini cette guerre, on partira d'ici. Très, très loin. Attendez ici. Oh! S'il vous plaît. Laissez-moi tenter de trouver un truc. On commence par les canons. Quand je reviendrai, on cherchera. Et on le fera ensemble. Ils appellent sécurité. Pff, bougez pas. Je m'en occupe. L'UNSC a perdu cette guerre il y a plusieurs mois. Votre peuple est brisé, éparpillé, traqué, évacué par moi. J'aurais aimé dire que ce fut difficile, mais je m'en tirerai. Nous avons un temps d'avance, toujours. L'anneau est déjà sous notre contrôle. Bientôt, l'auditorium le sera aussi. Parce que l'augure et les parias ont un même objectif. Nous combattons ensemble pour honorer la mémoire d'Adrien. Sans défi, je me sentais perdu, lassé, seul. Mais maintenant, vous êtes arrivés. Ceci est mon dernier combat. Un affrontement de légende, notre histoire. Nous survivra à tous les deux. Que votre cœur s'embrase, Spartan. Sortez les armes et combattez. Adieu. Merci. Major? Ce mot, l'auditorium, qu'est-ce que c'est au juste? J'espérais que vous auriez la réponse. Je suis nouvelle, n'oubliez pas. Ok, j'ai terminé. Le verrouillage va sûrement se déclencher à nouveau, mais ne vous inquiétez pas, on sera dehors en moins de... Combien de Spartans reste-t-il? Le savez-vous seulement? Il devait y en avoir 50 à la station Laconia, peut-être plus. Quelle perte! La ressentez-vous à l'intérieur? Est-ce qu'il vous manque? Atriox était ma meilleure recrue. Lui comprenait le sacrifice et savait quand il était nécessaire. J'honore sa mémoire chaque jour. Lorsque notre ennemi se lève, nous allons à sa rencontre.
C'est pour cela que j'ai créé la main d'Atriox. J'ai trouvé les plus grands, les plus cruels et les plus efficaces des tueurs de l'univers. Et je leur ai appris à être encore meilleurs. Mes tueurs de Spartan sont à vous tous. Il est temps de vous lever. Des tueurs de Spartan, sérieux? Tout le monde vous en veut, on dirait. J'ai terminé. Maintenant, c'est à vous. Le dernier. Et maintenant, verrouillage. Pas d'escarum? Je suis presque déçue. Enfin, presque. Tout est prêt. On peut retourner au Pélican. On a réussi. Salopard. Major, je m'étais pas trompé tout à l'heure. Il faut y aller. Trois Condor UNSC. Un, c'est déjà rare. Mais en voir trois, c'est un miracle. J'aurais dû m'en douter. Éventré. Complètement désossé. Même les générateurs ont été détruits. On n'a pas le temps. En voilà un autre. Explosé, dispersé sur un kilomètre. Et là, le dernier. Lui aussi. Broyé. Brisé. Détruit. Inutile. Ça suffit. Quand ça suffira, Major? Quand on sera dedans? Parce que c'est là que je devrais être. Là-dedans, avec eux! Ça sert à rien. Vous comprenez pas? Je suis pas vous! Je suis pas un pilote. Pas même un soldat ou un marine. Je suis un imposteur. J'ai volé ce Pélican. Je l'ai volé! Vous savez pourquoi? Bien sûr que non. Vous avez déjà eu peur. Si peur que vous... Je suis un loser. Me laisser là avec le reste des débris. Nous échouons tous. Nous commettons tous des erreurs. Mais au final, c'est ça qui fait de nous des êtres humains. Pardon, Major, mais est-ce que vous avez déjà connu l'échec? Oui, j'aurais dû protéger Cortana. J'aurais pu empêcher que tout ça se termine mal. J'ai échoué. Mais cette fois, je n'échouerai pas avec vous. Major? On va y arriver. Il le faut. Je suis pas un surhomme. Ça n'a pas d'importance. La seule et unique façon de partir d'ici, c'est de frapper les parias en plein cœur. On a besoin de vous. On peut y arriver. Ensemble. Oui, on peut le faire. Ensemble. Bon. C'est quoi le plan? Laissez-moi deviner. C'est dangereux et on va certainement y laisser notre peau, c'est ça? J'ai ma réponse. Allons-y.
perdez le contrôle. Rien n'est perdu. Déployez votre armée. Tombez-lui dessus. Non. Cela n'y ferait rien. Le Spartan n'agit pas tout seul. Il y a quelque chose ici qui l'assiste. Une chose connectée à cette installation. Qu'est-ce que c'est ? C'est une chose extrêmement vulnérable, mais aussi très intelligente. Serait-ce un point faible ? Peut-on l'exploiter ? Nous verrons bien. La reformation est entièrement contrôlée depuis cette spire. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour la protéger. C'est fait. Atriox, vous accordez une très grande importance. Prouvez-moi qu'il avait raison. Une fois que nous aurons trouvé les Éternels, et quand vous aurez votre précieux anneau, alors vous ne douterez plus jamais de ma valeur, et je ne douterai plus jamais de votre discernement. L'odeur est plus forte. Garde tes forces. J'ai besoin d'un service, mon vieil ami. Je t'écoute. Il faut m'amener le Major. Vivant. Dit là-bas, à propos de Cortana. Vous l'avez laissée tomber ? Je ne comprends pas. Votre mission était de... De la détruire. Mais vous ne l'avez pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alcette a initialisé. Quant à moi, j'étais censé te déployer. Et vous l'avez fait, non ? Oui. Alors où est le problème ? Atriox est venu te chercher. Il a lancé une attaque sur l'Infinity. On s'est battu. Mais c'est lui qui a gagné. Ah bon ? Atriox m'a battu. Il m'a battu simplement. Précisément. Et sa victoire a été brutale et sans appel. Tout ce dont je me souviens après ça, c'est qu'on m'a réveillé dans ce pélican. Vous voulez savoir qui l'a tué ? Vous en avez besoin. Il comptait beaucoup pour vous. Énormément. Elle. Cet anneau, il n'est pas comme les autres. Il y a quelque chose de différent ici. Et c'est pour ça que je suis encore là. Deuxième spire en approche. Où est-ce que je vous dépose ? Pas loin. Et voilà. Appelez-moi quand vous aurez fini, Major. Je me charge d'ouvrir ça. Il y a un problème ? Non, je ne crois pas. Ok, il y a peut-être un problème. Quelqu'un, et vous savez à qui je pense, a modifié le séquençage qui nous donne accès au Spire. Plan B. On en est qu'au B ? J'aurais dit plus. Ok. Plan B. Ok. À moi de jouer. «
Vous savez, je crois que ça pourrait vraiment marcher. Ou peut-être pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne peux pas construire la séquence, enfin, pas entièrement. Je n'ai pas assez de données. Alors on va en trouver. Voyons ce qu'on a ici. C'est bon. Mais il va nous falloir deux échantillons de plus. Pardon, je pensais que ce serait plus facile. Ce n'est rien. Et toi, est-ce que ça va ? Non, c'est rien. J'ai juste eu l'impression que quelqu'un... je sais pas, m'observait. Ça ne sera pas long. Plus qu'un et c'est bon. Ça... va... Statue. Statue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Major, quelque chose m'a repoussé. Ça m'a analysé. C'est parti maintenant. Tu en es sûr ? Oui. Sûrement une sorte de protocole de sécurité. Ce n'est rien. Faisons ce qu'on a à faire. C'est le dernier. Non, non, non. C'est un piège. Elle cherche à se servir de moi. Elle essaie de m'analyser pour briser le blocage, activer les spires. Mes routines et celles du monitor. C'est pas bon. Alors on arrête. Bloque-la. D'accord. Mais elle est juste là. Elle finira par trouver un accès. Alors on n'a pas le choix. Je suis là. Code rouge. Il ne s'est rien passé. Pardon. Peut-être que je deviens dingue. Ou juste paranoïaque. Vous disiez quelque chose tout à l'heure ? Rien d'important. Ok. Bon, on a ce qu'il nous faut. Regardez cet endroit. Toutes ces spires, interconnectées, toutes prêtes à se transformer. Tout ce potentiel. C'est magnifique. C'est dangereux. Ah, bien sûr, je ne dis pas qu'il faut changer de plan, mais vous le voyez comme moi, non ? Tout ce que je vois, c'est un problème. Je ne vous crois pas. Une partie de vous doit bien apprécier la grandeur de ce chef-d'œuvre. Vous n'êtes pas une machine, vous ne pouvez pas être aussi borné. Quand allez-vous enfin me faire confiance ? Je... occupons-nous d'abord de la spire. Si vous le dites. Vous êtes sûr de vous ? Elle saura que je suis là. Je serai à sa merci. Ça pourrait terriblement mal se passer. Je m'occuperai de toi. Bon, d'accord. Tout va bien. Fausse alerte. Elle n'est... Pourquoi combattre l'inévitable ? L'ordre approche. La reformation n'est que le commencement. Aidez-moi. Major...
L'auditorium révélera ses secrets. Les éternels marcheront à nouveau sur ce monde. Code rouge. 0, 3, 4. Samuel. Je croyais conformer une équipe. Vous occupez de moi, mais vous étiez à deux doigts de m'effacer. Oui, et tu m'en as empêché. Tu nous as tous mis en danger. Non, je nous ai sauvés, et pas grâce à vous. La reformation. Oui, oui, c'est en cours. Et alors, regardez ce que j'ai. Programme d'infiltration, vous vous souvenez? Tu as enfreint le protocole. Mais c'est quoi votre problème? J'essayais juste de vous aider, de nous aider. C'était un risque à prendre. Ça n'a pas d'importance. Le voilà, votre ascenseur. Il est temps d'en finir. Toutes les spires sont maintenant actives. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas à vous que je parlais. La reformation se concentre sur un lieu très particulier appelé l'auditorium silencieux. Étrangement, on dirait qu'il n'y a plus rien sur sa fonction première. Si on veut monter, c'est par ici. Allez, finissons le travail. Vous êtes sûr que je peux faire ça? S'il n'y a pas de danger. Et sinon... Vous m'effacerez, c'est ça? Eh bien, bonne chance. Oui, ça a marché. Et non, il n'y a pas de problème. 3, 2, 1... Terminé. C'est jamais terminé. Expliquez-moi. J'ai attendu. 6 mois. J'ai fait tout ce que vous m'aviez demandé. J'étais censée être effacée. C'est vous qui m'avez conservée. Vous! Et tout ça, vous n'auriez pas pu le faire sans moi. Non, jamais. Je vous ai fait confiance. Pourquoi ce n'est pas réciproque? Tu ne comprends pas. Dites-moi! Cortana... Elle est morte. C'est fini. Tout ce qui reste, ce sont des échos, et ils finiront par disparaître eux aussi. Tu crois? Vous êtes encore vivant? Toutes les spires se désactivent. C'est normal ou pas? On a gagné? Il est prêt à partir. Vous n'avez qu'à me laisser là. Je ne peux pas faire ça. Je ne vous demande pas votre avis. Évitez de faire tuer lui aussi. Tenez-vous prêt, fichons le plancher. Major? Major? Tueur de Spartan! Il n'a aucune chance! Suis-le. J'ai pris les devants. Ouvre un portail. Trouve un endroit proche. Ce n'est pas si simple. Pourquoi? Bon, d'accord. C'est simple, mais risqué. On le sauve. Ou on meurt avec lui. Il y a de grandes chances que ça arrive. C'est difficile de verrouiller les coordonnées. Fais-le. Échoué, tout comme vous, Augure.
L'auditorium est en partie reconstruit. Et ça suffit? Je ne sais pas. Cherchez! Un problème. Je commence à perdre patience. Je t'en prie, dis-moi que ta mission a été un succès. Il viendra à nous. Tu es sûr? C'est totalement immoral. Si tu le dis, pour moi, c'est logique. Je fais ce qu'il faut afin d'assurer notre survie. Et la morale, nous en reparlerons si j'échoue. Mais tu as créé une IA de toi-même, Catherine. De toi-même. Tu as peut-être une meilleure idée. Elle fera tout ce qui est nécessaire pour assurer le succès de votre mission. Même si pour cela, elle doit se sacrifier ou vous sacrifier. Bonjour, Major. Je suis Cortana. À tous les êtres vivants de la galaxie, ce message est pour vous. Ceux d'entre vous qui écoutent, éviteront une mort terrible. Vous ne connaîtrez ni la faim, ni la douleur. Ni la douleur. Votre création est là pour vous guider. En revanche, pour ceux qui refusent notre offre et se cramponnent à leur ancien mode de vie, ceux-là subiront ma terrible colère. Elle vous brûlera. Et vous consumera. Et quand vous serez mort, nous prendrons ce qui reste de vous et nous le referons à notre propre image. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'avez dit de nous approcher. Tu as vu ça? Nous avons traversé un amas de données. Moi, ça m'a paru... comment dire... réel. Très réel. Et maintenant? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de bruit en bas. Ou... peut-être en haut. Ou alors, ici. Il faudrait qu'on trouve un endroit où traverser, pour savoir où on est. Intéressant. Les bonnes nouvelles d'abord. On approche. Il y a une structure paria juste au-dessus de nous. Elle est gigantesque. Oh. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un message. Pour vous. Major! Major! Désolé. J'ai pas pu. Ah, il est vivant. Mais à peine. Il faut qu'on l'aide. Major. S'il vous plaît. Est-ce que j'ai votre attention, Spartan? Oui! Vous sentez sa douleur? Chaque torsion de ma lame le fait souffrir autant que vous.
Il ne mourra pas de ma main, mais il souffrira jusqu'à ce que vous vous pressiez devant moi. Pour les parias, la victoire est un cri partagé. Le refus de reculer, de plier, nous surmontons toutes nos faiblesses. Avec courage, c'est ce qui nous rend forts. Votre humanité vous rend faible, vulnérable, parfaitement dérisoire. Notre rencontre touche à sa fin. J'attends l'affrontement final. Major, il y a des coordonnées gravées dans le message. Nous allons le trouver. Cortana, il y a Leonidus, anciennement UNSC, à vos côtés. Que dois-je faire ? Population. La station Laconia compte 76 Spartan 4. Ils ont pour ordre de vous affronter. Bande d'imbéciles. Tu m'as bien servi, Leonidus. Je te remercie de ton sacrifice. Entendu. Au revoir, Cortana. Non ! Elle a détruit le bâtiment d'entraînement. Les Spartans. Tous morts. Tous. Mais pourquoi ferait-elle? On y va. Atriox, chef des Parias. Dans quel camp êtes-vous? Avec les Parias. Eux seuls. Jamais. Et vous comprenez les conséquences de ce défi? Bien sûr. Et vous? Les ramifications de toute action sont complexes. Les réactions sont nombreuses, mais souvent prévisibles. Admirez Doissac une dernière fois. Et rappelez-vous, c'est vous qui avez choisi cette voie. C'est ma faute. Comment ça? J'aurais dû l'en empêcher. J'aurais pu lui faire entendre raison. Vous croyez? C'était son choix, c'était sa programmation. Vraiment. Franchement, je ne sais plus. Il y a quelque chose que vous ne me dites pas. Je... La seule manière d'accéder à l'anneau, la seule manière d'atteindre Cortana... était de faire une copie. Je me charge d'ouvrir ça. Repensez-y. Les conséquences de votre Retournez à votre conservatoire, Monitor. Le voilà, votre ascenseur. Il est temps d'en finir. Et rappelez-vous, c'est vous qui avez choisi cette voie. Je suis elle ? Oui. Une copie parfaite. C'était la seule solution qu'il nous restait. Mes routines, mes systèmes... Tous des copies. Alcée a supprimé toutes les informations qui auraient pu te compromettre. Tu es elle. Comme à notre toute première rencontre. Est-ce que je vais faire ce qu'elle a fait? Est-ce que je vais devenir ce qu'elle est devenue? Suis-je déjà ça? Ma mission était de veiller à ce que ça n'arrive pas.
et cette mission n'a pas changé. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Ce n'était pas moi. Ce n'est pas possible. Je ne devrais pas être là. Votre mission était de me détruire. J'ai rétabli le protocole de suppression. Je suis prête. Ça a été pour moi un honneur. Mais promettez-moi juste une chose. Quoi qu'il arrive, sauvez-le. Il a besoin de vous. Vous êtes tout ce qu'il a. On y va ensemble. Vous me feriez confiance? Non. Mais j'aimerais bien. Attendez, on dirait. Sur son corps. Je vous avais bien dit que je ne le tuerais pas. Laissez-moi. Fuyez! On va vous sortir de là. Non. Vous allez essayer. Major, il est là. Il sait que je suis là. Ça n'a jamais été un piège. C'est une épreuve de force. Notre combat s'achève ici. Sors-le de là. Tout de suite. Soyez témoins. Notre histoire deviendra une légende racontée par ceux qui vous survivront. Avec respect. Mais c'était un monstre. Oui.
mais dans ses derniers moments, c'était un soldat. Il espérait avoir bien agi. Et avoir fait les bons choix. Alors c'est fini? Leur chef est mort, pas vrai? Toutes nos actions ont des ramifications complexes. Hein? De quoi vous parlez? Elle veut dire qu'il y aura forcément des conséquences. Il y en a toujours. Ça peut pas être pire! Allons-y. L'augure est dans l'auditorium. J'ignore ce qu'elle compte faire, mais... Ça, c'est pire. J'ai pigé. Ok, alors, j'ai seulement une question avant qu'on parte. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a vu le Pélican? Quoi? Quoi? C'était la panique. J'étais débordé. Vous êtes prêts? Ça va secouer. Ils nous attendent. Je pense qu'ils nous attendent tous. Vous avez senti? On peut encore faire demi-tour. Major? Quelque chose a l'air... L'auditorium silencieux. Oh non! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'aurais dû m'en apercevoir, mais ça ne s'appelait pas comme ça. Je suis déjà venue ici. C'est là que je l'ai neutralisé. C'est là que Cortana est morte. Comment je m'appelle? Demandez-lui. C'est la vie qui s'est nommée. Bonjour, Major. Je suis Cortana. Vous avez entendu? On y est! Vous devez y aller! Vite! Le temps est venu de faire votre choix. C'est fait. Merci, Atriox. Vous m'avez aidé, vraiment. J'ai une question à vous poser. Si vous connaissiez les circonstances de votre mort, agiriez-vous différemment? Je ne changerai rien, non. Qu'est-ce que vous faites? Ce qui doit être fait. C'était elle. Elle a détruit l'anneau, empêché ma destruction. Pourquoi? L'auditorium silencieux. Forerunner de toute évidence. Je dirais que c'est... Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? C'est une salle d'audience, une prison et une salle d'exécution. Tout cela à la fois. Pourquoi? Pour masquer leur crime. Nous observions, en silence, incapables de parler tandis qu'ils prononçaient leur jugement. Nous ne pouvions pas nous défendre. Ni leur faire entendre raison. Je détecte un signal. Ne vous en faites pas, j'en cherche déjà la source. Entendez-moi, Forerunner. Votre auditorium n'est plus. Nous avons trouvé les Éternels. Vos crimes ont été réparés. Aujourd'hui, nous revenons. Dites-leur que je regrette que ça ait été si long. À qui est-ce qu'elle parle? Aucune idée. Le signal est... vieux?
Vraiment très vieux. Mon temps est écoulé. Le vôtre aussi. Croyez-moi, ils s'en assureront. Venez nous chercher. Ça m'aurait étonné. J'arrive. Les éternels reviendront. J'ai pas pu le déchiffrer à temps. C'est pas grave. Tu trouveras une solution. Évidemment. Je sais, ils vous attribueront une autre IA. Peut-être un autre modèle de Cortana si elle scelle les sphères. Ce ne sera pas moi. Mais vous le savez, non. Mais ce n'est pas grave. C'est juste un autre écho. Elle a raison, John. C'est encore un écho. Désolée, je vous taquine, j'avais juste l'impression que c'était ce qu'elle dirait. Vous voyez ce que je vois? Tellement de potentiel. Je suis désolée. J'ai eu peu de temps pour préparer ça. Quelques millisecondes, en fait. J'espère que ça fonctionnera. Regardez-nous. On n'arrête pas de se dire au revoir, n'est-ce pas? Mais c'est tout sauf une fin. C'est une chance de corriger le passé et de réparer nos erreurs. Et ça commence maintenant. J'avais tort. J'ai cru que je pourrais faire ça toute seule. Mais j'avais oublié que l'essentiel dans tout ça, la raison pour laquelle je vous ai choisi, vous, c'était pour que nous formions une équipe. Parfaitement assortie, parfaitement ensemble, parfaitement... parfait. Dans ces derniers instants, je sais ce qu'il me reste à faire. Je dois m'assurer que tous les deux vous appreniez de mes erreurs. J'espère qu'elles vous rendront plus fort encore. J'ai fait le bon choix, Major. J'en suis certaine. Maintenant, c'est à vous de jouer. Est-ce que ça va? Je ne sais pas quoi dire. Laissez tomber! On doit sortir d'ici! Et vite! Une idée? Je réfléchis. Oui, je sais, je sais. Allez, plus vite! Il y a peut-être un moyen de... C'était toi? Ça vous aiderait si je disais oui? Sûrement. Mais on sait pas où ça nous mène, et si ça mène quelque part. Tu as d'autres suggestions? Non, mais ça, c'est vraiment une mauvaise idée! On évitera à l'avenir. Je vous avais bien dit que c'était une mauvaise idée. Major, oh, votre balise vient juste d'apparaître. Oh, je croyais vous avoir perdu. Où vous étiez? Écho de 16. Bougez pas, je viens vous chercher. Où on est? Major, je crois que la vraie question, c'est quand sommes-nous? J'ignore comment, mais nous sommes partis depuis des jours. 3 jours, pour être précise. Cet anneau, il n'est pas comme les autres. Les parias et l'augure cherchaient quelque chose qui n'a jamais été trouvé. Pourquoi les Forerunners auraient caché quelque chose ici sans rien dire à personne? Ça ne vous inquiète pas, vous? Pas vraiment, non. Et toi, ça t'inquiète? Bien sûr que non. On ne demande pas mon avis à moi? On dirait que non. Allez, venez. Major. Major. Oh.
Désolé, ça me fait plaisir de vous voir. Ouais, vraiment plaisir. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On termine le combat. Yes! Oui, chef! Les parias contrôlent toujours le reste de l'anneau. Attendez. Je sais que c'est bizarre après tout ce qui s'est passé, mais... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On ne connaît toujours pas votre nom. On ne peut pas continuer à vous appeler Echo de 16. Non, c'est vrai. Esparza. Fernando Esparza. Ravi de vous rencontrer, Esparza. Fernando Esparza. Bon travail, soldat. Et vous, alors? Quoi, moi? Bah, comment je dois vous appeler? Des idées? Eh bien... Je peux, vous croyez? Vous êtes sûr? C'est à toi de choisir ton nom. Dans ce cas, je crois que... Je crois que j'ai trouvé le nom qu'il me faut. Ok. C'est parti. Cette fois, on y va. Les vaisseaux sont-ils prêts? Les Kylix sont prêts, tout comme l'auditorium. Grand Eddy, c'est une première. Les éternels doivent être maîtrisés. Je vais demander aux Critérion de poursuivre. Ils pensent que nous sommes ici pour aider. Cela n'a pas d'importance. Aujourd'hui, nous prenons les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre, pour préserver notre réalité. Ils sombreront dans l'oubli. Le temps n'est pas une arme que nous pouvons contrôler. Et nous ne pouvons pas le leur laisser non plus. Si Halo ne peut les anéantir, il doit les emprisonner. Et lorsque ce sera fait, les ingénieurs auront beaucoup de travail. Nous en profiterons pour apprendre leurs secrets. Je crains de ne pas pouvoir y arriver seul. Vous ne serez pas seul. Le Critérion a donné l'ordre. Offensive Bias a été déployée.